continue. Salut à tous, c'est Ralga pour ce 8ème épisode de Regardons en rétro sur Pokémon Jaune. Donc on reprend au centre Pokémon de Céladopol. Et on va commencer par un truc très très passionnant qui va être le ménage dans mes sacs. Et dans ma team en fait. Parce que du coup je vais me débarrasser de Misterbe qui me sert un peu à rien. Surtout pour la reine plante de Céladopol. Donc en fait je vais prendre Coup Patriot Piqueur et récupérer le Roucoule qui sera un peu plus intéressant. Hop, voilà. Oui, donc PCDO d'abord. Hop, donc je disais Misterbe, on l'enlève. Et je récupère le Roucoule. Hop, voilà. Et je vais faire de la place dans mes sacs aussi. Hop, stocker. Qu'est-ce que je peux stocker? La pierre lune, je m'en fiche. Ah mince! Oh purée! Non, pas la bicyclette. Je la récupérerai après. Le nautique, j'en ai pas besoin pour l'instant. J'en ai pas besoin du tout en fait, parce que je compte pas récupérer les fossiles. Le passe-bateau me sert plus à rien, vu que l'océan est parti. Et puis c'est à peu près tout pour l'instant. Donc je vais récupérer ma bicyclette quand même. Je vais regarder chaque CT ce qu'elle est. Je vais peut-être la prendre à des Pokémon au fur et à mesure, on verra. Donc Cyclone ne sert à rien. Cage éclair non plus. C'était 11. Buldo, pas besoin non plus. Je vais la prendre à Nidoking, ok. Tunnel, si si, c'est... par contre tunnel je vais la prendre à Reptincelle. Une petite attaque sol, ça fait toujours plaisir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon, les CS, je vais les garder. Pistolet à eau, pas besoin. Tonnerre, je vais la garder pour plus tard. Je compte la prendre à un Pokémon en particulier. Et Patience, qui me sert à rien non plus. Donc je vais pouvoir déposer les CT qui m'intéressent pas. En l'occurrence, tout sauf Tonnerre en fait. Hop, la Tonnerre qui est là, l'avant-dernière de la liste. Voilà. J'ai dit, ça doit être la 24 je crois. Hop, ouais, donc je garde la 24 et je dépose la 34. Hop, et ça doit être tout. Et ouais, hop, et je remets la bicyclette au début. Voilà. Hop. Alors, je vais faire d'abord récupérer la CS Vol, je pense. Et passer au centre commercial aussi, récupérer des CT qui m'intéressent et des objets. Voilà. Hop. Je sais plus, je me perds toujours dans ce bâtiment. Non, c'est eux qui me proposent les items de base. Voilà.
Je vais prendre des Super Balls parce que c'est cool les Super Balls. Hop. Hop. Non, y a rien ici. Je sais plus ce qu'il me donne lui. C'était 18, ça doit être riposte, je connais même pas cette attaque. Ici ils vendent quoi? Ah, le vendeur de pierre feu et compagnie. Hop. Voilà, c'est les PV plus et protéines, compagnie, et l'autre à côté ça va être les attaques plus, défense plus et compagnie. Donc je prends des boissons. Hop. Voilà. Et ce sera pour la petite fille juste à côté qui va me donner des CT. Faut vraiment le savoir, hein, parce que... Hop, donc eau fraîche. Laser glass, voilà, c'est celle-là que je voulais récupérer en priorité. Ça doit être éboulement la deuxième. Ça, et la troisième, je sais plus ce que c'est. Ah, triple attaque, ok. Une attaque qui a une chance de geler, brûler, paralyser, je crois, je sais plus. Voilà. Donc on va prendre l'attaque éboulement, qui est une attaque roche au Nidoking. Toujours plaisir, une attaque roche. Hop. Hop, je redescends. Non, pas par là. Je vais y arriver. Je ne sais pas ce qu'il y a. Voilà. Voilà, nous y sommes. Je vais maintenant aller chercher la CS Vol. Qui est par là. Là, ouais, nous avons le Ronflex. Hop, coupe. Hop, non, non, non. Voilà. Bon, c'était très dur à avoir comme CS, hein. CS Vol que je vais apprendre tout de suite à mon Pokémon Vol. Roucoul. Ah bah j'allais dire Papillusion, mais non, Papillusion peut pas apprendre Vol. L'arnaque. Je suis désolé, dans le générique de de la saison 1 de Pokémon, tu le vois quand même transporter un bulle bizarre, si je dis pas de bêtises. Quand même. Il peut apprendre Vol, il a des ailes quoi. Hop. Hop, coupe. Je vais repasser au centre Pokémon. Et ensuite, on ira faire le casino. Hop. Alors pourquoi je m'obstine tellement à déposer tous mes objets dans le PC, c'est qu'il y a pas mal d'objets dans le casino. La corde sortie, j'en ai pas besoin. Et je commençais à avoir pas mal de CT qui traînaient, donc ça remplissait les sacs quand même. Hop, je garde le laser glace pour l'instant. Voilà. Et 18 séries post, donc j'en ai pas besoin non plus. Voilà.
Donc on est parti. Ouais, il est là. Voilà. Et Ratatouille. Je vais essayer d'y aller au... Aïe! Au Reptincelle, mais je pense que ça va pas être possible vu comment il vient de prendre cher. Ah ouais, d'accord, je l'enlève rien. Donc, Trio Picker. Vive attaque. Il devrait supporter. Je ferai deux coups critiques d'affilée. Cette arnaque, quoi. Voilà. Voilà, à plus de Ratatouille. Donc Reptincelle niveau 18. Hop. En Pokémon vol, donc on va envoyer mon Pokémon, le Pokémon électrique. Oh. Alors j'espère que la folie va me permettre d'attaquer quand même. Voilà, c'est bon. De toute façon, je... Oh, je l'ai... Oh, sérieux? Ah, oh, c'est pas cool, ça. Bon, la vive attaque est passée aussi. Hop. Ouais, non, pas pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai plus de potions, non. Donc il y a un bouton dans le poster. Énigme très très dure. Et hop, nous voilà dans les sous-sols du casino. Oula, le casino, je m'en rappelle plus trop. Hop. Et nous avons donc les tapis roulants. Hop, hop. Je sais plus si c'est cet étage-là qu'il faut que je fasse les tapis d'abord. Je sais plus. Hop. On va aller chercher les items au passage. Hein. Comme je vous le disais, il y a pas mal d'items qui traînent. Genre là une pépite. Hop, on va aller chercher celui-là aussi. Une pierre lune, ça me sert à rien par contre. Hop. Alors du coup. Purée, c'était pas par là. Non, ça doit pas être cet ensemble de tapis roulants qu'il faut que je fasse en premier. Je sais plus. Est-ce que je peux sortir par là? Ah purée, je peux pas sortir. Je suis obligé de me taper la sortie en bas. Voilà, je vais perdre du temps. Hop. Hop, je vais ici. Ensuite, voilà en bas. Ah voilà, là je peux sortir. La sortie d'en bas. Quoique. Ah non, c'est pour aller à l'ascenseur. J'avais bien raison, c'était pas là, fallait que j'aille en premier. Hop. Bon, bah, j'aurais perdu 2 ou 3 minutes. Hop, je descends. Et là, il y a un nouvel ensemble de tapis. Ouais, c'est ça. Non, pas par là.
Pas par là non plus, je crois. Non, pas par là. Non, il faut bien que j'aille prendre les tapis de cet étage. Enfin, les tapis, les flèches, je sais pas trop ce que c'est censé être. Hop. Un item à prendre, il y a quoi? Un super bonbon, c'est cool. Eh, c'est les escaliers là en bas qu'il faut que j'aille prendre. Hop. Ouais. Donc là, pas le choix, faut que j'aille là. Ensuite, je vais passer par là. Non, je dirais là. Oui, ça doit être là. C'est vraiment un endroit assez relou. Hop, tiens, je l'ai pas aggro. Attends, je suis juste devant lui. Oui, c'est ici. C'est ce dresseur qu'il faut que j'aille voir. Smogo. Bon bah. Trio Picker. Hein. En plus, les attaques poison sont peu efficaces contre les Pokémon sol, je crois. Donc, on y va. Ah, ouais, d'accord, one shot. Noceraptor, bah, je vais aller au Pikachu. Hein. Ah, je vais enlever moins de la moitié, donc faudrait que je le fasse en 3 coups. Ouais. Oh, purée, on de folie. Hop, allez. Non, la folie inflige des dégâts. Purée, il se fait vraiment mal tout seul. Je le sens mal, là. Ah, c'est bon, il en reste 6. J'ai pas tenté le diable. Je vais l'assurer. Parce que suffit qu'il se fasse encore mal avec sa folie, il se tue. Hop. Oh, j'aurais pu y aller à la coupe. Oh, tunnel a échoué. Mais tunnel a pas une chance à 100% de passer. Bizarre. Il me semblait pourtant que c'était une chance, une précision de 100%. Enfin bref. C'est pas très dérangeant, hein, ça n'a pas changé grand chose. Donc là j'ai la clé de l'ascenseur. C'était 2, je sais pas ce que c'est. On verra plus tard ce problème. Et du coup maintenant je peux refaire le chemin des tapis que j'ai déjà fait tout à l'heure. Hop, donc je retourne là. Je remonte d'un cran et là je vais faire les tapis d'ici. Purée, c'est à chaque fois je me trompe, c'était le deuxième, il fallait que je prenne. Enfin ça change rien mais c'est plus rapide de prendre le deuxième. Hop. En bas. Alors, faut que je réussisse à lire, ouais, ici. Ensuite à gauche, voilà. Et alors, en bas, mais celui du haut. Et voilà. Normalement, j'ai tout fait. Voilà. Donc, ici, il y a une salle qui sert à rien. Enfin, on s'en fiche. Voilà. Et l'ascenseur. Je vais re-soigner mes Pokémon quand même avant. Hop, Trio Picker. Et bah, Pikachu. Euh...
Et puis je vais la jouer safe. Je vais mettre le trio picker en premier. Hop, voilà. Donc on va aller au quatrième sous-sol. Donc nos chers amis Jesse et James. Allez. On enchaîne. Ah, niveau 31. Miaus. J'ai envoyé Nidoking. Nidoking qui a double pied, qui est une attaque combat, qui est très efficace sur les Pokémon normaux. Donc on va se gêner, hein. Hop. Ouais, je lui enlève plus de la moitié de la vie quand même. Hein. Voilà. Donc morsure. Alors ne meurs pas. Ouais, ça fait mal aussi. Hop. Et voilà. Et du coup, abo, et je vais reprendre le trio picker. Pokémon poison, puis en plus il y a ligotage et tout ça, donc j'ai intérêt d'avoir un bon gros pool de points de vie. Bon, ça va, j'ai l'avantage, je fais tunnel d'abord. Et voilà, one shot du abo. Ça fait plaisir. À la vitesse du son. Normalement, c'est la vitesse de la lumière. Hop, et on va aller taper Giovanni. Je sais pas trop comment on dit, je parle pas italien. C'est écrit Giovanni. Qui a des Pokémon sol et impatient, comme dans la série animée. Hop. Voilà. Non, je vais tout y aller au trio picker. Voilà. Et Persian. Trio picker aussi. Level 29, Nidoking level 17 ou 18 aurait pris un peu cher. Une défense spéciale. Bah je vais t'attaquer avec une attaque physique. Hein. Allez. Allez, bisous à plus. Hop, voilà. Donc Giovanni est vaincu. Voilà. Donc le scope sylph qui me permet de voir les Pokémon de type spectre. Mais là je suis déjà à 24 minutes de vidéo. J'ai pas le temps de faire la tour Pokémon. Je vais pas faire l'arène tout de suite parce que je vais me faire dépop violemment. Je vais aller chercher un Pokémon assez particulier en utilisant un bug. Donc je vais aller chercher Mew. Pokémon qui est normalement pas disponible dans cette version automatiquement. Il est disponible sur les versions japonaises vertes et rouges. Donc verte comme la version qu'utilise Tauren dans ses vidéos. En effet, si on va voir un
PNJ en particulier en ayant 150 Pokémon, il nous donne le 151e. Mais déjà, faut obtenir les 150, faut faire des échanges et tout. Enfin, c'est assez galère. Et là, dans nos versions à nous, européennes, hein, j'entends, ce n'est plus possible. Mais en exploitant un bug très spécifique, possible de l'avoir facilement, avec des gros guillemets, hein, facilement. Donc, pour ça, on a besoin de vol. En attendant, hein, je fais du ménage, hein, tout en parlant. En utilisant vol et une combinaison qui n'était pas prévue par le jeu et qui va faire bug un peu la mémoire. Qui fait qu'on va rencontrer un Pokémon sauvage. Pas là où on était censé en trouver un. Et dans une certaine combinaison, on peut choisir le Pokémon qu'on va rencontrer. Hop. Donc je disais. Hop, on y va. Faut que j'aille devant le tunnel qui relie Céladopol à l'avant-ville, mais côté l'avant-ville. En fait, je vais reprendre le tunnel, ça sera aussi rapide. Parce que si je vais côté l'avant-ville, je vais me taper tous les dresseurs. Hop, donc je vais repasser ici. Hop. Tiens, j'ai réussi à trouver un objet. Donc là, je vous explique, en fait, je spam A dans le tunnel parce qu'il y a des objets partout. Enfin, partout. Il y a plusieurs objets dans les tunnels. Mais il faut être dans la bonne configuration et appuyer sur A au bon moment. Donc voilà, c'est ici que commence le bug. En fait, je vais faire un pas vers le bas et start. Voilà, je viens de le réussir du premier coup, ce qui est quand même assez fort. Et je vais aller à Azuria. Sauf qu'en fait, vous allez voir, le PNJ en bas m'a vu parce que j'étais arrivé dans son champ de vision. Mais comme j'ai fait vol, je vais pas pouvoir faire combat. Et là, du coup, la mémoire du jeu vient de bugger. C'est-à-dire que je suis en combat sans être en combat. Ensuite, j'ai besoin de faire un deuxième combat. Ce deuxième combat va me donner en fait quel Pokémon je vais rencontrer. Et il me semble qu'il va me faire sortir un peu du bug, mais c'est possible de faire ce bug avec plein de dresseurs et on aura des Pokémon différents. Et en faisant ce dresseur spécifique, celui-là, on obtiendra Mew. Voilà. Donc évidemment, faut pas l'affronter avant. J'ai évité les dresseurs, je l'ai pas affronté. Hop. Voilà, donc Ramolus level 17, je devrais pas avoir trop de mal. Voilà. Donc en fait, c'est le dernier Pokémon combattu. Et les stats en particulier de ce dernier Pokémon combattu qui vont décider du Pokémon, de son niveau. Enfin, du Pokémon qu'on va rencontrer et de son niveau. Je sais plus, il me semble que c'est la stat de spécial ou un truc du genre qui détermine le Pokémon. Voilà, et là j'ai Start qui a pop sans que je lui demande. J'ai appuyé sur B. Et hop, un combat se lance. Contre un Mew. Level 7, ouais, voilà, level 7. Et qui a comme unique attaque écrase face. Donc là, ça va être un peu compliqué. Il va falloir que je ne le tue pas. Hop. Bon, ça va, il me fait pas trop mal, forcément. Oh, c'est pas mal, ça. Hop, tornade. Ah, je peux pas en faire une troisième sans le tuer, je pense. Ah, c'est risqué. Je vais avoir besoin des poudres de papillusion, je pense. Est-ce que j'y vais maintenant avec papillusion? Ouais. Le truc, c'est que je descende sa vie, mais je commence à avoir des Pokémon un peu trop haut level. Ce qui m'embête un peu. Mmh, mmh, mmh.
Ouf. Bon. Une attaque aussi sur un Pokémon Psy, évidemment, c'était pas très efficace. C'était risqué. Maintenant, faut que je l'endorme. S'il veut bien se laisser endormir. De toute façon, je pourrais pas le descendre plus sa vie sans le tuer. Hein. Et donc là, il dort. Bon, bah, on va spam la Super Ball. Hein. J'en ai 10. Bon, là, je devrais l'avoir du premier coup, je pense. Méga mince. Sérieusement, méga mince. Hop, deuxième. Purée, pareil. Ouais, mais là, je peux pas faire autrement. Non, je peux vraiment pas faire autrement. Je peux pas lui descendre sa vie, là. Bah, je vais spam les Super Bowls. Hein. Donc là, c'est déjà la troisième. Bon, toujours pas. Hop. Poudre de dos. Hop, voilà. Super Bowl, la quatrième. Purée. Bon, bah, j'ai dit dodo. Bon, ça marche pas à 100%, donc voilà. J'ai dit dodo. Dodo. Hop, la cinquième. Mais... Hop. Purée, je suis complètement con. Dans ma tête, il était réveillé, mais bon. C'est pas grave. Donc, la sixième Super Bowl. Ouf. Bon, bah voilà. Donc, Mew est capturé. Avec cette technique, comme je disais, on peut attraper à peu près tous les Pokémon. Il suffit de, en fait, d'affronter le bon dresseur. Après avoir fait bugger le PNJ avec vol, parce qu'on peut réutiliser le bug, hein, on peut refaire le bug avec le PNJ, vu qu'on ne l'a pas vaincu, on peut toujours faire le bug. Et avec ensuite, en faisant ça après, avec d'autres dresseurs, on rencontrera d'autres Pokémon. Par exemple, c'est possible d'avoir des Pokémon bug, ou même des Alakazam, enfin des trucs qu'on n'est pas censé pouvoir rencontrer dans la nature. Peut-être même des Grolem ou des Ectoplasmas, je sais pas. A priori, je pense que c'est possible. Enfin bref. Donc c'est sur cette capture assez épique, on va s'arrêter là. Donc partagez la vidéo si elle vous a plu. Et puis à la prochaine. Ciao !